Trois mots qui résonnent encore 14 ans plus tard. Ce mardi 7 février, Louane était invitée à témoigner dans le podcast In Power de la chef d'entreprise et influenceuse Louise Aubéry, plus connue sous le pseudonyme My Better Self. La chanteuse qui vient de sortir un quatrième album très axé sur la santé mentale et intitulé Sentiments, s'est livrée sur les remarques sur son poids qui ont impacté son rapport à son corps dès son plus jeune âge. J'ai 12 ans, je suis devant le collège et je saute en l'air parce que je suis contente. Mon t-shirt se soulève et on voit mon ventre. Il faut imaginer que je suis une petite fille qui n'est ni grosse ni mince, se souvient la comédienne. Il se trouve que j'ai un peu de ventre, ce qui n'est pas mon problème parce que j'ai 12 ans et d'autres choses à faire que de me regarder dans une glace. Il y a des garçons qui sont en troisième, qui voient mon ventre et se foutent de ma gueule et qui m'appellent boule de gras, révèle la mère d'Aimé, précisant que ces trois mots ont ruiné sa confiance en elle et lui ont fait développer des TCA, troubles du comportement alimentaire. Et à partir de là, si est-ce fini dans ma vie, lâche-t-elle dans le podcast. Supérieur à Louane, Amel Bent, ces stars ont été victimes de body shaming et mecs m'ont cassé en deux ce jour-là consciente de la violence de l'insulte à l'époque, Louane ne parle pas à sa famille mais se tourne vers l'une de ses amies. Malheureusement, celle-ci souffre également de TCA, certainement aussi à cause de remarques grossophobes reçues. Elle ne va pas hyper bien non plus, du coup si est-ce un bourbier entre elles, moi et les TCA. Si est-ce pas drôle, souligne l'artiste sur In Power. Aujourd'hui j'ai 26 ans et j'avance comme je peux avec ça. Ces trois mecs là ils ne le savent pas mais ils m'ont cassé en deux ce jour-là, insiste-t-elle alors qu'elle peine encore à aimer son corps. Dans cette interview, l'interprète de Cité Tellard admet ne pas réussir à aborder ce sujet avec son compagnon, Florian Rossi. Je deviens hyper agressive et chiante. Je lui dis que si est-ce pas ses affaires. Si est-ce irréel mais si est-ce quand même le cas, avoue-t-elle. Crédit photo, capture d'écran YouTube In Power Podcast.